Yo, c'est AWS 2002. Aujourd'hui, on se retrouve sur la collection de jeux PS3, mais cette année-là, c'est-à-dire en 2022, en février 2022 en fait. Mais plus tard, bien sûr, on aura d'autres jeux. C'est pas la collection que à moi, c'est aussi celle à Swag, mais j'ai beaucoup plus de jeux que lui par contre. Alors, Swag, tu vas me donner tes avis à toi sur tes jeux et si tu les aimes pas ou pas, si tu les as testés ou pas, ou si t'as été déçu, si t'as été marqué. Moi aussi je vais les dire. Bon, allez, on commence. Alors j'ai compté tous les jeux PS3 que j'ai en boîte, parce que le reste sont des jeux installés. J'ai 63 jeux en boîte. Avec 3 piles de 21, ça fait 64. 63. Alors, on commence par le très célèbre Minecraft, qui est une bombe, sérieusement, j'en ai même pas besoin d'en parler. Ensuite, nous avons le Naughty Bear, que Swag, il est en train d'y jouer à fond. Vraiment, il joue à fond. Yes. Et aussi, c'est vraiment une tuerie. Il n'y a pas de sang, mais vraiment, C'est du coton. ouais, c'est du coton, mais il y a des moments où vraiment tu les déchiquettes, par exemple, dans une machine. Ça part en vrille. Après, nous avons Shifter Unleashed, que soit il a pas mal joué. Ouais, je connais Moi, la moitié du jeu. je n'ai pas beaucoup joué, il me semble. Bah en fait, sans faire exprès, je jouais sur son compte. Ouais, tu m'as fait avancer en fait. Mais bon, c'est pas trop grave. Battlefield 4, j'y ai joué. C'est H, vraiment. j'aime pas. Pour moi, c'est vraiment extrêmement intense et c'est super. Si vous recherchez un FPS Moi j'aime pas intense, trop, je trouve que c'est un peu si vous trop recherchez un FPS. FPS intense, je vous le conseille. Infamous 2, celui-là, Swag Oh et moi. ma. Ouais, Swag et moi, on l'a pas mal joué et c'est vraiment un bon jeu. Un Trop bon jeu bien. d'action, on va dire. Need for Speed Rivals, il est Oh, pas il est mal trop bien. aussi. C'est Il est mon. trop bien. J'adore, c'est mon Need for Speed Ouais, préféré. vous pouvez choisir entre le mode flic et le mode course. Enfin, le Si mode. vous aimez pas les que les gens vous font chier, Bah, vous pouvez tout jouer. simplement vous faites un flic. Ouais, vous faites un flic, voilà. Ou alors si vous voulez bien vous faire chier, du coup, bah vous faites criminel. Ouais. J'ai beaucoup Voilà, joué à. criminel, bon, pilote, Je comme pense vous que j'ai voulez. plus joué en policier que criminel. On va voir, mais c'est bon, allez, on continue. Et fin 2010, j'ai joué, il m'a un petit peu déçu, par contre. On est obligé Ouais. de passer par les circuits qui nous demandent, je vous le déconseille. Je préfère le F1 2011 ou le 2012 que je suis en train actuellement de rechercher. God of War 3, il est ultra gore, mais vraiment ultra On gore. voit son œil là. Et en plus, c'est un bon. Je crois que c'est un RPG, ouais. Et franchement, c'est une tuerie. Alors Je j'y vous ai le joué une conseille. minute et 38 secondes. T'as joué qu'une minute et je crois que t'as vraiment pas aimé. Ensuite, nous passons au premier Dirt sur la PS3. Il est vieux. Il est bien. Ouais, c'est un bon jeu de rallye. Enfin, pas forcément de rallye et jeu Dans de ses course. dirt. Alors, nous en passons à Saint-Tro 3. Celui-ci, c'est aussi une bombe. Sérieusement, soit il a pas mal joué, moi aussi. Ça ressemble beaucoup C'est à GTA. un GTA-like. Ça s'appelle un GTA-like, les jeux comme ça. Ensuite, nous passons au Grid, le tout premier. Grid, il est bien aussi, avec de bons graphismes à la On y a PS4. joué, vous en rappelez, aux arcades. Ouais, on avait joué pas mal au Speed Park. Et ça, c'était quand même bien. Surtout le championnat que j'avais découvert. Battlefield 3 est moins bien que le 4. Mais il est quand même bien. La campagne, elle est top. Uncharted 3, c'est aussi une tuerie. Surtout D'ailleurs, le. ce Par qui. contre, la campagne. Enfin, le mode histoire, si vous voulez. Ah, Moi, il je est suis pas habitué trop à dire bien. campagne. Par contre, une fois, je cherchais tout le temps où est-ce qu'il faut aller. Et la campagne, je l'ai laissé tomber. Mais le multijoueur, on s'éclate complètement. On s'éclate quasiment. Par contre, le jour où on tourne cette vidéo, il y a les skins Uncharted sur Fortnite. Les skins Uncharted sur Fortnite, ouais. On passe à Midnight Club Los Angeles. Bah, j'ai perdu la boîte pour. Mais le jeu, il est bien dedans, comme vous pouvez le voir. C'est pas Mais mon. c'est un bon jeu de course par Rockstar en plus. Donc les créateurs C'est fameux pour pour ça que ça GTA. ressemble à GTA. C'est un bon jeu de course, ouais. Il est bien. Y a pas d'armes par contre. Ensuite, on passe à Call of 4, qui est une bombe. C'est vraiment l'un des meilleurs jeux de guerre. La campagne, je l'ai terminé plein de fois sur la version PC. Mais par contre, la version PS3,
Le jeu il se bloque parce que. Ou Attendez. alors c'est peut-être notre CD qui fait ça, on sait pas. Ouais, le jeu il se bloque parce qu'il est. Il est pas mal rayé. Un petit bug. Ensuite, FIFA 15, pas testé, pas envie. Ensuite, Driver San Francisco, c'est le jeu en fait où j'ai utilisé pour faire le fameux ah là, vous savez, avec des milliers de vues, avec plus de 1000 vues. Et Grâce à ben moi. oui, et c'est ce jeu qui m'a permis de devenir populaire. En plus, le mode histoire, Plus. il est excellent le mode histoire. Il est intense et surtout, il parle vraiment d'une façon vulgaire. C'est fortement recommandé. Rien à voir avec la version Wii. Exactement, la version Wii, c'est C'est un quasiment jeu diff... C'est un autre jeu. c'est carrément un autre jeu, ouais. Sleeping Dogs, un excellent GTA-like à la source Hong Kong. C'est à Hong Kong, oui. Ouais, et je l'ai testé récemment et il marche super, c'est une bombe. Dirt 3, il est pas mal Oh, comme c'est surtout les graphismes. ouais, les graphismes sont trop bien à la PS4. Peut-être pas PS5 parce que Par c'est contre, j'aime pas trop le système de... De quoi? Comment ça s'appelle là? Quand tu te téléportes en arrière. Quand tu Les t'es planté. flashbacks, ouais. Oui, voilà. Bon, sinon c'est un bon jeu, vous pouvez y jouer à deux. C'est comme C'est bien Need à deux, for hein? Speed The Run. Ouais, vous pouvez bien jouer à deux. C'est bien, c'est recommandé. PlayStation All-Star Battle Oh, on Royale, y a joué je aussi. n'en parle même pas. C'est un excellent jeu. Smash Bros. C'est un Smash Bros. PS3. Like. C'est pour pouvoir jouer sur la PS3, parce que bien sûr les Mario sont jamais sortis sur la PS3. Le célèbre Far Cry 4, Ah, c'est moi qui l'ai eu. qui est bien. Ouais, je l'ai trouvé à 3 euros en vide-grenier Logiquement, seulement. c'est moi qui l'ai acheté, c'est à moi. Ouais, en vide-grenier, à 3 euros seulement. Alors que dans les caches, il coûte genre 12-15 euros. Ah, tu vois, je suis un La petit version malin. PS3, elle est pas si mal que ça, parce qu'il y a aussi une version PS4. Voyez, genre, Mais ce jeu, il est bien. Franchement, j'ai pris du plaisir à y jouer. On passe à la pile numéro 2. Alors, nous avons les deux versions de GTA 4. La version originale, bah, regardez, si vous ne me croyez pas. Hop. Dans sa boîte Et aussi, on hop. sait quoi. Et aussi, l'édition, donc la suite, c'est l'édition Liberty City. Hop. Le Dirt 2, il est pas mal. Mais par Il contre, on ressemble peut. au 1. Il ressemble au C'est 1, un mais. mix des deux. Ouais, il est pas mal. On peut jouer que seul, mais il est pas mal. Far Cry 2, j'ai abandonné parce que je suis bloqué à un endroit, il faut trouver des Surtout que diamants. moi j'ai Enfin, continué. il est pas mal, mais faut que je cherche la Ah, solution. moi j'ai passé cette section avec les diamants, mais le jeu a crash au bout d'un autre Peut-être une parce autre qu'il est rayé, section. attendez, il est rayé le jeu? Non, non, il est en parfait état. Je sais pas Ça doit pourquoi. être notre PS3 qui pue la merde. Need for Speed Pro Street, Ah, on celui-là. l'avait sur PS2. Ouais, on l'a sur PS2, donc, mais la PS2, déjà, c'est carrément un autre jeu. Presque. Enfin, le mode histoire, je crois, le jeu, il est différent. Et les graphismes sont ultra moches sur la PS2. Ils Ils sont sont moches. dégueulasses. Bah oui, on dirait de la PS1. C'est de la chiasse. Mais la PS3, la graphisme pour ce jeu, c'est une bombe. On passe à un Black autre. Ops 3, il est bien. C'est un Ah, bon jeu. par contre, c'est le pire Black Ops pour moi. Peut-être pour ça que c'est le moins bon. Parce Pour que moi sur la aussi, version PS3, il n'y a pas c'est de campagne. le moins bon des Black Ops, mais il est quand même très bon. C'est juste trop futuriste en plus. C'est trop futuriste, mais il y a un bon mode de zombie et de multijoueur là-dessus. Il n'y a pas de campagne, parce que la campagne, c'est que sur PS4. Modern Warfare 2, pour moi, le Call of Duty le plus brutal avec une des missions que je vous ai montrées, donc sur ma chaîne Avec secondaire. la première fois où il y a les opérations spéciales. Oui, les opérations spéciales qu'on avait sur Modern Warfare 2, mais pas sur Modern Warfare 1. Alors là, c'est le WWE 2009, SmackDown vs Raw. Je l'ai aussi sur PS2. Il est trop nul sur PS2. Et en Mais plus, les touches. le moment où j'ai acheté ce jeu, bah, jusqu'au moment où j'ai acheté ce jeu, je le retrouvais pas chez moi, la version PS2. Du coup, hop, je me suis dit pourquoi pas la version PS3 pour 2 euros. En plus, les graphismes, c'est assez bien. Comme par hasard, quand on l'a acheté, tu l'as trouvé. Ouais. Comme par hasard, quoi. Oh! Sonic and All-Star Racing Transformed. On avait sa démo Alors, il y a pendant aussi un un long premier moment. opus qui s'appelle Sonic et Sega All-Star Racing. Il est bien, mais celui-là il est encore meilleur parce que par exemple votre véhicule se transforme en bateau selon les circuits. En avion. En avion, en bateau. Ensuite, nous avons le prologue de Gran Turismo 5. Alors, celui-là, il est moins bien que le Gran Turismo 5 de base parce que celui-là il est quand même sorti En fait, je vois pas la différence, moi. en 2008, ouais, il est sorti en 2008.
Et oui, on peut faire que. On peut acheter que les voitures avec des crédits, je pense. Mais il est quand même bien, les graphismes, j'ai adoré. Mec, les graphismes, c'est trop bien. Black Ops 1, j'en parle même pas. C'est trop bien. La campagne, En elle est plus, meilleure que le 2. c'est le premier Black Ops. Ouais, la campagne, elle est meilleure que le 2, je vous le dis. Enfin, la campagne du 2, pour certains qui disent que c'est nul à chier, bah, ne les écoutez pas forcément, juste essayez. Moi, j'ai essayé. C'était pas mal. Mais il y a des choses qui manquent. Sniper, ça pue la merde. Voilà. Non, j'aime pas. Ça m'a saoulé ce truc. Skylander, on n'a même pas testé parce qu'on n'a même pas le truc. Je sais pas comment ça À un s'appelle. moment, on avait, sauf que Enfin. je l'ai offert à quelqu'un parce que j'avais pas le jeu. Mais si Et je l'avais aussi, gardé, j'aurais pu ouais, on jouer. n'arrive pas à y jouer parce qu'il n'y a pas le truc. Faut que je le vende un jour ce jeu. Le tout premier jeu de la PS3 et mon jeu F1 préféré, c'est F1 Championship Edition. Mon truc préféré de ce jeu, c'est Même si le la jeu il date musique. du 2006. Et ben les graphismes, je vous en parle même pas, c'est une bombe. Le truc que je préfère avec ce jeu, c'est la musique. Ouais, la musique de F1 06 intégrée là-dedans, elle est pas mal. Battlefield Bad Company, Ah, je l'ai il pas est pas essayé mal. pour une Il est fois. pas mal, ouais, ça va. La Une autre campagne, pile. oui, c'est sympa. Faut que tu fasses une autre pile. Le Gran Turismo 5, l'édition normale, il est bien. On a pas mal joué à Il est ça. mieux que le Ouais. prologue. Medal of Honor Warfighter, Je l'aime pas ça, trop. la campagne, elle est plutôt bien. Ça Il m'a est pas trop limité déçu. d'édition. Ouais, l'édition limitée, mais ça, c'est juste pour la démo de BF4. Battlefield 4, mais j'ai le jeu complet. Destiny, il est pas mal, ouais. Oh, il est bien. Il est bien, ouais. Surtout sur ligne. Même s'il y a une version PS4, bah, le jeu, il est quand même bien. Il est bien, ouais. En plus, parce que c'est en ligne, vous invitez vos amis. Ouais, c'est possible. Dark Sector, c'est une tuerie. Franchement, J'ai très c'est peu une joué. tuerie, c'est violent, c'est gore, j'adore ça. Pour ça, c'est 18 plus. Need for Speed The Run, il est excellent. C'est juste qu'à un moment du jeu, mon jeu avait planté et c'est pour ça que j'arrivais plus à continuer. Ah, De même ça. pour GoldenEye 007 Reloaded, Il c'est y un avait remaster beaucoup. en fait de la version qui était sortie sur 64, mais ça a vraiment été refait à fond pour la PS3. Et c'est vraiment un excellent jeu, surtout qu'on a fait On a fait plein de beaucoup beaucoup de gameplay gameplay. là-dessus avec Swan. Et il reste cette dernière pile. Il reste 21 jeux du coup. Donc nous avons Homefront, pas testé pour l'instant. Alors l'un de mes jeux d'horreur préférés, Evil Within. Ah, Alors c'est pas la vraie boîte. vous demandez pourquoi c'est la jaquette elle est comme ça. Bah, c'est une jaquette Oui. réversible en fait. Regardez, si vous ne croyez pas. Alors, la jaquette originale est toujours à l'intérieur. Juste derrière le Comme Blu-ray. Little Big Planet, ça fait pareil. Ouais, ça, si vous recherchez vraiment un jeu de D'horreur survival stylé. horror, prenez ce Evil Within. Il est disponible sur PS3, PS4, Oh, PC. un Alors, truc que j'aime Call pas. of Advanced Warfare, je l'ai terminé. Il est Bien, mais c'est trop bien, ouais. futuriste. Il est bien, mais Tu peux faire des futuriste. doubles sauts. Prototype, c'est ultra gore, ultra brutal et ultra violent. Bon, pas plus que le 2, mais quand même, Activision, ils ont vraiment pété un câble pour développer Prototype, enfin pour éditer. Uncharted 1, bah il est bien, mais vu qu'on n'a pas de manette officielle Six Axis, on peut pas continuer. Mais il est bien, mais il m'a un petit peu déçu. Bah tiens, après le Prototype 1, le Prototype 2, il est ultra gore. Vraiment ultra gore. Et franchement, je crois que je vous ai fait découvrir ça en pick-up et test de jeu, je m'en Ah, souviens moi pas. j'aime pas trop les prototypes. Prototype, moi j'ai adoré. Le deuxième, il est encore mieux. Ah. Modern Warfare 3, bien sûr, je vous en parle Il même est pas. exactement pareil que La le 2. campagne, elle est bien. Elle est moins bonne pour moi que MW2 en ce qui concerne la jouabilité. Mais ça reste quand même un Ah, excellent jeu de ça a des guerre. meilleures opérations spéciales par contre. Ça commence, c'est vraiment un meilleur jeu de guerre. Le jeu, je crois, le jeu préféré de la PS3 après Little Big Planet 3, je pense, Oui. c'est le deuxième opus de Little Big Il est Planet. excellent, j'ai C'est fini la campagne. une bombe, la campagne. C'est pas intense, des fois c'est assez calme, vous voyez. Mais c'est quand même. Ah, c'est juste le boss final, il m'a saoulé. Ouais, peut-être que ça J'ai a fait failli. 43% des trophées. 43%, bah oui, t'as vraiment squatté les trophées. Black Ops 2, je vous en parle même pas. C'est J'ai un l'un problème. des jeux PS3 le plus joué de tous les temps. J'ai un problème avec ce jeu.
Il y a même. Là, ça fait là, ça fait 10 ans qu'il est sorti le jeu et il y a encore des personnes qui jouent en ligne. Ça, c'est moi, sur mon compte, je ne peux pas le lancer. Bah, donc, je le lance, apparemment, ça fait ça bug. cracher la console. Ça bug, malheureusement. Mais on va essayer de fixer ça bientôt. Le mode histoire, par contre, il a m'a un petit peu déçu. Il y a Par rapport juste au. un truc que j'ai bien aimé, c'est le moment où tu peux être invisible. Non, mais n'importe quoi. Ils sont même partis dans le futuriste sur Black Ops 2. Alors, Motorstorm, le Pacific Rift, il est bien. Il est trop bien. Ouais, il est bien. J'ai adoré. Blur, pareil, c'est un excellent jeu de course. C'est un peu un Mario Kart-like. On a Blu-ray. une ambiance Mario Kart avec un Need for Speed Underground. Parce que c'est couleur de. Parce que c'est environnement C'est de néon. nuit. Et beaucoup de couleurs, beaucoup de néons. On peut attaquer les autres joueurs. GTA V, je n'en parle même pas. C'est une tuerie. C'est trop bien. En plus, vous avez vu, je crois, à un moment, il a publié, il y a un bug où j'ai gagné 1 milliard de dollars. Non, j'ai même pas publié la vidéo. Ah. J'ai même pas publié. En Je fait, la j'ai publierai tué bientôt. quelqu'un. Je crois que c'est un modeur, il m'a donné de l'argent. Il a même monté au niveau 100, il est un trophée. Bon, on passe à Killzone 2. Les Killzone 2, la campagne, elle est brutale. Elle est pas vraiment gore. Elle est brutale. Et les graphismes, c'est excellent. On Pardon. dirait. Les graphismes, on dirait de la PS5 presque. Le Killzone 1, il est claqué. Le Killzone 1, il m'a un petit peu déçu. Il est craqué au Pour la sol. PS2, oui. Little Big Planet, le premier, il est bien. Il est sympa. C'est grâce à ça que j'ai acheté le 2, justement. Ouais, et c'est grâce à ça qu'il a Même découvert. si le 2, il est mieux, en fait. Assassin's Creed 2, il est sympa. Il est sympa, ouais. À un moment, j'allais dire ça pue parce que j'étais Le bloqué. meilleur cas. Call of Duty Ghost, le vrai, ils allaient me dire, ça pue la merde, ça va rien. Mais la campagne, je l'ai fini deux fois. Aussi, le mode extinction avec les aliens, avec les scorpions. Pour C'est un moi, peu comme c'est un peu, on va dire, les zombies recopiés. c'est le meilleur Call of Duty. Pour moi. Pour toi, En ouais. plus, tu peux personnaliser ton Bah oui, personnage. ça, on n'avait pas, par exemple, sur Black Ops 2. Payday 2, c'est pour braquer Oh, les c'est bien. banques. J'ai fini la Ouais. moitié du jeu. Bah, c'est en fait un excellent jeu. Je vous le conseille. Par contre, au bout d'un moment, ça devient chiant Ah, de ouf. au bout d'un moment, oui, ça devient très difficile. Ensuite, nous avons Résistance, le premier. Il est bien. La Il est jaquette, c'est bien. un crâne. Bah, j'ai regretté son crâne, normal, parce que c'est. Oui, c'est les Russes. C'est les Russes qui, à mon avis, qui font la guerre avec cette espèce de monstre ultra On moche. a vu les deux Uncharted? Ouais, Uncharted 2, il est sympa. La campagne, elle est sympa. Et ensuite, nous avons Little Big Planet Karting, le LBP préféré après LBP3 pour Swag. Et on était accro à fond dessus une fois qu'on l'avait acheté. J'ai Vraiment même. accro à fond. J'ai créé un circuit qui ressemble au circuit de Donkey Kong, la Et montagne, aussi, si je ne je sais m'en pas le souviens que titre. tu avais créé un circuit avec plein de virages comme ça pour ajouter du challenge. Oui. Ouais. Et nous terminons avec le dernier jeu PS3 qu'on a en boîte, c'est le Call of World at War. Celui-là, il est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, il me semble, avec les Japonais et tout. Premier Call of Duty avec le mode zombie. Ouais, avec le N zombie. Je vais pas dire le mot, sinon je vais démonétiser. Alors, par contre, Sony sont vraiment des arnaqueurs. Regardez-moi ça. Ils disent que ça prend 60 gigas sur le disque dur HDD, alors que ça n'a pris que 3 ou 4. Si on inclut la mise à jour aussi. Et franchement, c'est un bon Call of. En plus, c'est le premier de. C'est pas le premier de TH. C'est le deuxième, mais il est comme ça le jeu. Franchement, c'est absolument à faire. Merci d'avoir regardé enfin pour cette collection. On se retrouve plus tard pour d'autres jeux. Abonnez-vous, lâchez de la commenter, partagez la vidéo. Ciao!